Allez, on se retrouve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Croix. Un groupe de support aux enjeux E5, premier E5 de la journée. On a de la chance aujourd'hui car cette course est vraiment magnifique. C'est le numéro 11, un mec Deripré, le grandissime favori pour l'entraînement de Fabrice Soulois, associé à Mathieu Abrivard. Un concurrent qui a déjà son ticket pour le Grand Prix d'Amérique. Reste à le savoir s'il va participer ou pas. Cela dépend de sa performance d'aujourd'hui. Fabrice Soulois qui va le juger après cette tentative pour savoir si oui ou non ce mec Deripré se dirigera vers le Grand Prix d'Amérique fin janvier prochain. En tout cas, c'est un sacré cheval. Il vient de s'imposer avec la manière donc dans le Critérium Continental en dominant. Ulan Duval, c'était sur 2100 mètres départ autostart. Il avait trotté ce jour-là 1-10-3. Vraiment un superbe chrono pour ce numéro 11. Donc un mec Deripré qui va s'élancer avec la grande confiance d'Etterfist. Alors on est très joué également avec le numéro 6, Un Amour d'Eauphor, qui est très régulier, très brave. Et aussi doté de beaucoup de vitesse et de fond. Fils de Love You, qui possède beaucoup d'atouts, les déférés des quatre pieds aujourd'hui, comme lors de sa récente quatrième place obtenue dans le Critérium Continental. Il y aura également au départ Ulan Duval et Up and Quick, qui s'étaient respectivement classés deuxième et troisième d'un mec Deripré. Allez, les concurrents sont sous les ordres pour cette superbe course aux 25 mètres. Unique Quick, le numéro 13. Autre champion qui porte la casaque Quick Star et les concurrents qui viennent de s'élancer à l'instant même pour ce prix de Croix. C'est la deuxième course du programme, disputée sur 2850 mètres avec un très bon départ de l'ensemble des concurrents. Et c'est le numéro 4, Olmo Holtz, qui vient prendre tout de suite l'avantage. Une fille d'amour, le 8, est bien calée côté corde alors qu'à l'extérieur on se rapproche déjà avec Hugor du Beauvoisin, Up and Quick, ainsi que à l'extérieur. Le numéro 7, Used to Me. Hugor du Beauvoisin, l'as, qui s'installe en tête de course. Dans son dos, une fille d'amour, le numéro 8. Troisième position pour Up and Quick avec Eric Raffin. Alors qu'à l'extérieur, Ulan Duval continue sa progression et emmène dans son sillage Used to Me, le numéro 7. Un Amour d'Eauphor est en 5-6e position. Côté corde, c'est le numéro 3, Une belle à Périne, qui patiente. On patiente également avec un mec Deripré, le numéro 11, qui est dans le dos du numéro 6, Un Amour d'Eauphor à mi-peloton. À l'arrière-garde, le numéro 13, Unique Quick, a déjà refait son handicap. Il patiente en compagnie du Nau La Chesnaye, le 5, dans la descente. Le 9, Ulan Duval, qui fait le forcing. Il fallait s'y attendre. Un concurrent qui est très dur à l'effort et qui s'installe donc en tête de course. Dans son dos, Used to Me, Hugor du Beauvoisin est troisième devant Une Fille d'Amour, Up and Quick, Olmo Holtz, Una Bella Perrine attend sagement son heure. Alors que l'on retrouve ensuite le numéro 6, Un Amour d'Eauphor, ainsi qu'un mec Deripré, le 11, le grandissime favori, qui patiente dans son dos. Ulan Duval, le numéro 9, qui est seul en tête et personne ne vient l'inquiéter. Dans son dos, c'est le 7 Used to Me. Troisième position pour l'as Hugor du Beauvoisin. On est quatrième avec Une Fille d'Amour. On retrouve ensuite Up and Quick, Una Bella Perrine. Olmo Holtz est également bien positionné et attend son heure. Avec Ulan Duval, le numéro 9, véritable rouleau compresseur qui a l'avantage. Il peut aller très loin aujourd'hui car personne ne l'attaque. Dans son dos, c'est Used to Me, le numéro 7, Jean-Étienne Dubois, qui a un superbe dos et qui en profite. Hugor du Beauvoisin est également bien positionné, tout comme Une Fille d'Amour, Una Bella Perrine, alors que le favori se retrouve relégué à l'arrière-garde. Un mec Deripré qui est en avant-dernière position, juste devant Une Aura de Loup, le numéro 2, qui ferme la marche. L'intersection des pistes avec le numéro 9, Ulan Duval, qui va durcir la course très certainement. Used to Me, le 7 et 2e dans ce dos. Hugor du Beauvoisin vient en 3e position alors que Up and Quick, le numéro 10, refait pas mal de terrain. Olmo Holtz est dans son sillage et suit facilement tout comme Un Amour d'Eauphor. Et voilà maintenant le favori, un mec Deripré qui
passe en troisième épaisseur et une aura de loup numéro 2 qui saute dans son sillage. L'ami tournant final, Ulan Duval qui a tête corde à ses côtés. Used to me, Igor Dubovoisin qui est troisième avec des ressources. Open Quit est quatrième. On refait du terrain avec Olmo Holtz, un amour de fort. Ainsi qu'à l'extérieur, un mec d'Eri près le numéro 11. La phase finale, Ulan Duval, le numéro 9 qui coince quelque peu. Used to me, le numéro 7 qui a eu un super parcours dans son dos qui vient l'attaquer sèchement. Igor Dubovoisin est troisième et Up and Quick en pleine piste qui finit de plus en plus fort, tout comme le champion, un mec d'Eri près, Kazakh Vert qui finit comme une balle et qui vient mettre tout le monde d'accord. Up and Quick est deuxième, Used to be troisième, quatrième place tout à la fin pour le numéro 6, un amour de fort. Voilà, donc c'est un champion hein, qui s'impose, un mec d'Eri près, le numéro 11 qui confirme sa récente victoire dans le critérium continental et qui va peut-être prendre la direction du Grand Prix d'Amérique. En tout cas, on le souhaite tous pour le spectacle et pour la beauté du sport. Le 10, Up and Quick est deuxième, Used to me est troisième, Amour de Fort quatrième. Et c'est là, Igor Dubovoisin qui conserve la cinquième place courageusement devant le numéro 8, Une fille d'amour. 11, 10, 7, 6 et As. C'est l'arrivée provisoire de cette deuxième course. Victoire de Mathieu Abrivard et d'un mec d'Eri près qui, je pense, n'a pas forcé son talent pour s'imposer aujourd'hui. Il est venu dans le tournant final comme une balle. Il a remarquablement prolongé son effort dans la ligne droite d'arrivée pour s'imposer dans ce groupe 2. On se retrouve aux alentours de 14h35 et d'ici là, une épreuve à Deauville.